J'ai fait les Jeux du Québec en 1972 et j'ai gagné 3 médailles d'or en patinage de vitesse. Ceci m'a encouragé à aller aux Jeux olympiques en 1992 pour gagner la médaille d'or en équipe. Le patinage, je fais ça depuis que je suis jeune. Ma mère m'a montré à patiner. C'était naturel pour moi d'aller dans ce sport-là. La vitesse, les dépassements, c'est un sport stratégique. Un beau moment de ma carrière, c'est quand j'ai franchi la ligne d'arrivée aux Jeux olympiques d'Albertville. On avait gagné l'or en équipe. C'est moi qui terminais la course. C'était vraiment magique comme moment. C'était un des plus beaux moments de ma carrière. J'ai dû être opérée à 2 reprises pour pouvoir continuer ma carrière, dans le fond, jusqu'aux Jeux olympiques de 1994. L'attaque de Sylvie Daigle qui feinte de passer à l'extérieur et coupe carrément à l'intérieur. En fait, c'était l'amour du sport qui m'a gardée motivée, la passion du sport, mais aussi un chirurgien qui a trouvé la solution à mon problème. On a une belle relève à Sherbrooke. Ça, c'est des gens qui ont vu naître des champions. Aujourd'hui, Kim Boutin, ils ont vu plusieurs athlètes grandir, puis ils ont patiné un peu avec ces gens-là. Donc, la mentalité de gagnant à Sherbrooke est là depuis des décennies.